Il y a souvent des personnes qui me disent, ah, je sais pas si je suis réceptif à l'hypnose. Ben, rassurez-vous, tout le monde l'est. Tout le monde est réceptif à l'hypnose sans exception. Oui, même toi derrière ton écran, même celui qui croit pas à l'hypnose, même un enfant, même une personne âgée, même une personne sourde, même une personne muette ou aveugle, tout le monde est réceptif à l'hypnose. Tout simplement parce que tout le monde a déjà été hypnotisé. Au quotidien, on traverse l'état d'hypnose parfois plusieurs fois par jour. En fait, c'est tous ces moments où on sent qu'on est un peu déconnecté de la réalité. On est comme dans une bulle, on est dans notre imaginaire. C'est un peu quand on est là sans être vraiment là totalement, comme quand on est perdu dans nos pensées. C'est ce qui fait que même si une personne est en train de nous parler, on n'entend pas vraiment ce qu'elle dit. Parce que vous êtes ailleurs, vous êtes loin. Et on le dit d'ailleurs, j'étais dans la lune, dans les nuages. En fait, c'est quand on est vraiment absorbé par quelque chose. Alors c'est souvent parce qu'on aime bien faire cette chose-là, donc c'est quand on fait du sport par exemple, quand on est très investi dans une discussion, quand on regarde un film, quand on lit un livre, quand on écoute une musique, peu importe, il y a plein de possibilités. L'état d'hypnose, c'est un état naturel, donc c'est pour ça que vous êtes tous réceptifs à l'hypnose, parce que vous avez déjà tous été hypnotisés. Ceci dit, ce qu'il faut savoir malgré tout, c'est qu'il y a en effet des personnes qui sont plus sensibles que d'autres. On pourrait dire que c'est comme pour un film. Un film qui va me plaire à moi, c'est pas forcément un film qui va vous plaire à vous. On est tous sensibles différemment. Il y a des personnes qui arrivent à rentrer plus facilement, plus rapidement, plus profondément dans cet état-là. Pourquoi? Bah parce que ces personnes-là ont plus de facilité pour imaginer, pour se détendre, pour lâcher prise. Et il y a d'autres personnes pour qui il va falloir un peu plus de temps. Et c'est normal parce qu'on est tous différents. En fait, ce que je constate, c'est que beaucoup pensent que la seule manière d'hypnotiser, c'est comme on le voit en spectacle ou à la télé. Un claquement de doigts et hop, la personne rentre en transe. En fait, penser ça, c'est très réducteur. Ce serait comme penser qu'il n'y a qu'une seule note de musique sur un instrument. En fait, il y a plein de manières d'hypnotiser. L'important, c'est de trouver celle qui va correspondre à la personne. Par exemple, avec certaines personnes, on peut se permettre d'aller vite, mais avec d'autres personnes, au contraire, il va falloir y aller très progressivement et très lentement. Certaines personnes vont vraiment avoir besoin de plusieurs minutes pour aller dans cet état-là. Une dizaine, une vingtaine de minutes, peut-être même plus. Je pense que cette idée que certaines personnes ne seraient pas réceptives à l'hypnose, elle vient surtout du fait que peut-être qu'un jour vous avez participé à un spectacle, vous avez fait les tests, vous savez, les doigts collés par exemple, et ça n'a pas marché sur vous. Donc vous vous êtes dit, l'hypnose ne marche pas sur moi. Et c'est pas l'hypnose qui a pas marché, c'est cette approche de l'hypnose qui n'a pas fonctionné sur vous. Et en spectacle, on a besoin de trouver les personnes les plus sensibles parce qu'on a besoin d'aller dans des états assez profonds et assez rapidement. Donc on va pas s'embêter avec une personne pour qui il faudrait peut-être bien 20 minutes pour aller dans cet état-là. C'est pas vraiment très intéressant pour un spectacle. C'est pas parce que ces tests n'ont pas fonctionné cette fois-là avec vous que ça marcherait pas à un autre moment, dans un autre contexte, avec un autre hypnotiseur par exemple, parce qu'il y a de nombreux paramètres à prendre en compte. En fait, on pourrait dire que dans un spectacle, c'est au public de s'adapter à l'hypnotiseur, alors que en individuel, thérapie, ce serait plutôt à l'hypnotiseur de s'adapter à la personne. On pourrait dire aussi que l'hypnose, c'est comme un sport. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, il y en a qui apprennent beaucoup plus vite, qui arrivent tout de suite à comprendre le truc. Mais dans la même idée, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez être performant. Et pour aller dans l'état d'hypnose, ça peut demander un certain temps et un certain apprentissage. C'est un muscle à développer. Et s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que tout le monde est bien réceptif à l'hypnose.